En collaboration avec Clarence, je vous présenterai cet automne 4 looks inspirés de leur collection Graphic Expression. Présente ma dernière vidéo en collaboration avec Clarence pour leur collection d'automne Graphic Expression. Aujourd'hui, vidéo qui va être un petit peu plus longue que la normale parce que c'est un 2 en 1. Donc on va venir faire un maquillage de jour, ce que je porte en ce moment, et on va venir faire la transition vers un maquillage de soir. Donc souvent ce qui arrive, c'est qu'on s'est maquillé le matin et on a un 5 à 7 ou un autre événement en soirée, on n'a pas nécessairement le temps de retourner à la maison pour refaire le maquillage complet. On veut juste rendre ça un petit peu plus smoky, un petit peu plus soirée, un peu plus sexy. Donc je vais vous montrer comment le faire avec à peu près le même matériel de jour et soir pour avoir quelque chose qui se fait une belle transition, qui va venir souligner le regard. Ça aide pour autant un maquillage avec paillettes, disco et tout ça, là. Quelque chose de quand même plutôt sobre, mais qui accompagne bien au niveau de la soirée. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ces deux maquillages, continuez de regarder la vidéo. Comme on veut un maquillage qui va tenir le plus possible, on va appliquer une base avant de faire le teint. Donc je vais utiliser la Pore Professional de chez Benefit qui va venir justement minimiser un tout petit peu l'apparence des pores. Et on n'a pas besoin d'une grande quantité, simplement cette quantité-là va être suffisante pour tout mon visage. Ensuite de ça, je vais venir appliquer un fond de teint pour venir unifier mon teint. Et j'aime mieux mettre quelque chose d'un peu plus couvrant le matin, comme ça on va être sûr et certain qu'une fois rendu le soir, on va avoir encore un maximum de couvrance, même s'il y a une portion du fond de teint qui veut pas s'en va un peu au fil de la journée. Donc le fond de teint que je vais utiliser, c'est le fond de teint Extra Confort de chez Clarence. La couleur est un poil trop pâle pour moi, sauf que vu que l'été est presque terminé, c'était parfait ainsi. Et par la suite, on va venir mettre un petit plus de couvrance au niveau des cernes et tout ça. Et je vais utiliser le correcteur de chez Clarence, qui est défatigant. Donc pour le nom précis, c'est l'anti-cerne défatigant, lissant et tenu. Donc le Instant Concealer. On n'a pas besoin d'une grande quantité. Pour l'application du fond de teint, j'y suis allée avec mes doigts, je trouve que c'est ce qui va le plus rapidement. C'est sûr que ça salit un peu les mains, donc après on peut les nettoyer avec des petites lingettes. Sauf que faut faire attention parce que souvent quand on fait avec les doigts, on a tendance à mettre un petit peu trop de produit comparativement à quand on utilise un pinceau. Donc juste faire attention pour ne pas en mettre trop épais. Après avoir fait l'anti-cerne, je vais venir souligner mes sourcils. Et pour ce faire, je vais venir utiliser un fard de chez Ingla, celui-ci c'est le 560. C'est un fard qui est de la bonne couleur justement pour venir remplir mes sourcils un fard mat. Ça vaut la peine de trouver la bonne couleur parce qu'on l'utilise tout le temps par la suite. Je prends un pinceau biseauté pour venir remplir les espaces au niveau de mon sourcil. Je vais venir ensuite mettre un mascara transparent dans mes sourcils. Si vous avez un produit spécifique pour les sourcils, allez-y avec ça. C'est simplement pour que les poils tiennent un peu plus en place pour pas avoir de poils un peu fous là, qui vont dans tous les sens. On va venir terminer le teint. J'ai laissé un petit peu le temps au produit crème de bien se mettre en place sur le visage. Et pour la poudre, on va venir utiliser la palette teint et blush. Vaut mieux prendre un plus petit pinceau pour venir prendre entre les deux zones rosées, parce que sinon la couleur est justement trop rosée pour le teint. Donc moi j'aurais peut-être fait un peu la palette différemment, donc de mettre juste un côté avec du rosé au lieu de deux. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Avec un plus petit pinceau, ça fonctionne. Donc je vais venir tout simplement poudrer mon teint. Ça vient permettre de fixer le maquillage et d'ajouter une certaine couvrance de plus. Ensuite, je vais venir souligner les joues et je vais venir prendre justement la portion qui est un peu plus rosée, donc la portion blush, et elle contient aussi à côté du bronzer, donc ça va venir amener aussi un certain contour en même temps. Et là, ce que je fais ensuite, c'est que je repasse légèrement sur les bords externes de l'endroit où j'ai mis le blush pour venir fondre un peu le tout, pour pas que ce soit deux barres très droites et visibles.
On en est maintenant rendu aux yeux. Comme on veut faire un maquillage qui va être transformé par la suite en maquillage de soir, on est mieux d'aller avec quelque chose qui va venir faire tenir davantage l'effort et rendre la vivacité plus grande. Donc, on va utiliser une base pour ombre à paupières. Celle qui fonctionne le plus pour moi, qui a la meilleure tenue, c'est la Primer Potion de Urban Decay. Ça, c'est la couleur Sin. Je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux. Et on va en prendre tout simplement la grosseur d'un grain de riz qui va être bien suffisante pour faire les deux yeux. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est de venir tapoter le produit en partant de la ligne des cils jusqu'aux sourcils en faisant bien attention de ne pas en mettre sur les poils de sourcils. On vient aussi effleurer le coin interne et légèrement le rotule inférieur. Attention de ne pas en mettre trop bas pour pas qu'il y ait justement de couleurs irisées sur les cernes, ce qui les mettra en valeur. C'est pas ce qu'on souhaite faire. Vous avez peut-être remarqué que je viens estomper un peu avec mon doigt sur les bords externes pour être certaine que ça ne soit pas une ligne franche là, d'arrêt entre le primer et le reste. Donc je me nettoie les petits doigts pour ne pas en mettre partout sur mes vêtements, ça m'arrive trop souvent. Et là on va venir faire le travail des yeux. Et on veut justement faire quelque chose qu'on va pouvoir moduler par la suite pour le maquillage de soirée. Donc je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous voyez de plus près. Voilà, vous allez me voir ainsi. On va commencer par appliquer une couleur claire sur toute la paupière et je vais choisir la couleur pétale de chez Clarins qui se présente comme ça ici. Donc c'est un rose clair et je vais prendre un pinceau arrondi, celui-ci c'est le Eyeshadow Brush de chez EcoTools et je vais venir tout simplement l'appliquer sur toute la paupière mobile et la paupière fixe. Ensuite, je vais venir chercher la magnifique palette de la collection Graphic Expression et c'est la palette en forêt et on va venir utiliser le taupe brun qui est juste ici. C'est simplement pour venir souligner un peu le coin externe ainsi que le rotule inférieur. Je viens chercher le pinceau E25 de chez Sigma et je prends peu à peu des pigments, on n'en veut pas beaucoup nécessairement, on veut vraiment souligner en douceur pour venir mettre en valeur la forme de l'œil. Donc ce que je fais, c'est que je dépose le pinceau directement dans le creux. Donc l'endroit où la boule de mon œil rejoint l'os, au coin externe. Et on va venir simplement souligner cette zone-là en faisant des petits mouvements circulaires. Et ensuite, je vais venir flatter vers mon œil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ramener un tout petit peu la couleur dans le creux vers le coin interne. Et si vous pouvez remarquer, le pinceau est fait, il est aplati d'un des deux côtés. Donc vous utilisez justement l'aplati dans le creux comme ça ici. Et ensuite, comme je l'ai fait ce côté-ci, on va venir utiliser la même couleur qui est juste ici avec un pinceau plat. Donc on va utiliser la tranche du pinceau et on va venir souligner le rotule inférieur pour venir justement rendre le maquillage un petit peu plus fumé. Vous pourriez conserver le look ainsi, cependant ça peut être agréable d'ajouter justement une petite touche sur le rotule supérieur. Parce que souvent quand on va mettre une couleur foncée en bas mais pas en haut, ça peut amener l'œil à être tiré un peu vers le bas, donc donner l'impression d'un œil tombant. Donc c'est bien de venir équilibrer en remettant un peu de foncé en haut. Pour ce faire, je vais utiliser quelque chose tout en douceur, malgré que ce soit un crayon. C'est le crayon Kohl de Clarins en platinum. Vous allez voir... Platinum. Et on va venir souligner légèrement pour venir mettre en accent l'œil en amande. On va commencer à peu près au centre de l'œil et grossir légèrement vers le coin externe en restant quand même très près de la ligne des cils. Et là, ce que je vais venir faire pour rendre le tout un petit peu plus doux, c'est que de l'autre côté du crayon, il y a une espèce de petit pinceau et je vais l'utiliser pour venir estomper légèrement la ligne. Donc ça donne un résultat très doux, mais c'est une petite différence qui est très jolie. Donc c'est un crayon qui est assez sec, faut pas avoir peur là, d'en mettre trop, s'il est pas trop crémeux, donc il va bien tenir.
On va terminer le maquillage en mettant le mascara. Comme je veux avoir un maximum d'impact sur mes cils, parce que ça ajoute mal un peu du mascara en cours de journée, je vais tout de suite aller avec des cils assez dramatiques. Et pour avoir un maximum de volume, je vais appliquer une base avant de mettre mon mascara. La base que je vais utiliser, c'est la base nourrissante de chez Shiseido, qui est transparente. Et on fait tout simplement en mettre une couche avant d'appliquer le mascara. Je laisse sécher la base à peu près, bon c'est pas un nombre de secondes, mais c'est jusqu'à ce que ce soit, mettons, à 60% sèche, 50, 60, 70, entre ça, parce que si elle sèche trop, les cils sont trop durs et le mascara s'applique mal, puis si c'est trop humide, on dirait que l'amalgame se fait bizarrement avec le mascara. Donc c'est pas très très long. Et je vais utiliser le mascara Be Long de chez Clarins, donc de la collection, qui est sorti en même temps que la collection le Graphic Expression aussi. Lorsque par erreur vous vous faites une tache de mascara, pas de panique, il y a un truc très facile pour l'enlever. Premièrement, c'est de la laisser sécher jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Et vous prenez un goupillon, donc un embout de mascara propre. Ça peut être un ancien mascara dont vous avez gardé justement l'applicateur. Ou vous pouvez acheter un pinceau comme ça ici. Souvent, c'est un pinceau duo pour les sourcils. Celui-là, c'est celui de l'Isoitier. Et vous venez simplement gratter la tache. De cette façon-là, vous venez pas ruiner vos ombres à paupières ou quoi que ce soit, comme avec certains trucs où on va utiliser du démaquillant ou quoi que ce soit. Là, ce qu'on peut venir faire, c'est venir souligner les lèvres. Moi, je suis une fille qui met rarement des choses sur ses lèvres, sauf qu'on peut venir mettre un rouge à lèvres qui est nude, neutre. Celui que je vous conseillerais dans la gamme Clarins, c'est le nude caramel dans les rouges éclats. C'est un rouge à lèvres qui est très confortable à porter, hydratant. Ça fait venir souligner un tout petit peu les lèvres là, pour moi avoir l'air d'un cadavre. Donc avant que le look soit terminé, c'est quelque chose que j'oublie souvent de faire en vidéo, mais quand je me maquille en vrai, je le fais tout le temps. Et c'est de venir s'assurer que la couleur du cou est la même que celle du visage. Là en ce moment ça va, mais il y a parfois, avec mon éclairage, j'ai l'air d'avoir le cou très très blanc. Donc de ne pas oublier de prendre votre poudre et de venir en mettre justement dans le cou. Souvent on est moins bronzé là à cause du soleil qui... bref, notre menton, hein? Parlons d'ombre et de lumière aujourd'hui. Je vais terminer le maquillage avec une étape qui est optionnelle. C'est un spray fixant. Celui que je vais utiliser, c'est celui de Skindinavia, qui est le Bridal Makeup. Donc non, je m'en vais pas me marier, mais c'est qu'il a un fini quand même assez lumineux, pas très matifiant. Donc le fait d'appliquer un spray va venir prolonger la tenue du maquillage. On s'entend pour dire que ça rajoute pas 48 heures au maquillage, ça va permettre un tout petit peu qu'il dure plus longtemps, mais une des raisons pour lesquelles je l'utilise, c'est que souvent quand on va venir appliquer des poudres, tout ça sur le visage, ça peut donner un effet légèrement plâtreux. Donc quand on va appliquer un produit comme celui-là ici, qui est un spray, les fines gouttelettes vont venir humidifier le maquillage et venir comme créer un tout, et ça va avoir l'air moins poudreux, donc je vous le conseille. Donc il y avait une technique de faire un X et tout ça, là, mais allez-y comme vous le préférez. Donc voilà ce que nous donne le look de jour. On va maintenant le modifier pour le rendre plus smoky, plus de soirée, un peu plus sexy pour nous accompagner justement, soit dans un 5 à 7 ou carrément dans une belle et longue soirée. C'est souvent le cas, on est parti toute la journée, puis là on arrive, on veut faire un changement de maquillage pour venir un petit peu plus fitter avec la suite de la journée, mais on se retrouve avec peu de temps et pas nécessairement la possibilité de refaire le maquillage au complet. Donc avec quelques étapes rapides, faciles, avec le même matériel, on est capable d'y arriver. Donc allons-y! Donc on est maintenant rendu le soir, on veut justement venir raviver un peu l'éclat de notre teint, tout ça. Donc on va venir reprendre notre même palette et on va venir retoucher les endroits où on va avoir perdu un petit peu de couvrance. Donc on va venir, dans mon cas, faire la zone T, donc au niveau menton, les ailes du nez, un peu le nez et le front. Et on va reprendre un tout petit peu de blush pour venir redonner un petit air là, de jeunesse à nos pommettes. Donc je reprends exactement les mêmes outils que j'avais pris pour la première partie, et j'en mets une quantité un petit peu plus grande ici, exactement à l'endroit où ma pommette ressort le plus. Et voilà.
Et pour donner encore plus un air spécial et un peu espiègle, on va venir mettre un petit peu d'enlumineur. Vous pouvez utiliser idéalement un enlumineur qui va être poudre, comme vous avez déjà poudré le teint. Quel je vais prendre? Donc celui que vous pouvez prendre, celui de votre choix. Vous pouvez même prendre une ombre à paupières qui est claire, lumineuse. Vous pourriez même utiliser le fard dans la palette forêt, dans la palette Graphic Expression, mais des petites paillettes. Donc moi j'aime mieux un fini qui va être un petit peu plus satiné, un petit peu plus égal. Et pour ce faire, je vais venir utiliser la poudre shimmer de chez Dior, donc dans le Amber Diamond. C'est un produit qui est tout simplement splendide. Je l'ai acheté, c'était une folie, mais j'en suis bien heureuse. Et le produit se présente comme ceci, donc on a divers teintes. Et moi, je fais tout simplement passer partout. Puis je prends le même pinceau pour mon blush, comme je ne le réutiliserai pas nécessairement. Et je vais juste venir flatter le haut de mes pommettes. Comme ceci. Si vous avez la peau naturellement brillante, huileuse, entre guillemets, huileuse n'est pas un mot très agréable, mais peut-être préférable de sauter justement à l'étape de l'enlumineur parce que votre peau va naturellement venir briller au fil des heures. Une fois que ce teint-là est ravivé, vous pouvez remettre du produit dans vos sourcils si vous voulez les refixer, sinon d'habitude la poudre devrait encore être là. On va venir jouer avec les yeux maintenant et on va prendre la palette de la collection que je viens juste de vous montrer et on va reprendre ce fard-ci qui va devenir maintenant notre fard principal. Donc je viens reprendre le pinceau estompeur, donc le E25 de chez Sigma que j'avais pris juste avant et on va venir flatter dans le fond toute la paupière mobile. Donc quand vous arrivez dans le creux, vous pouvez venir justement estomper un peu comme on l'avait fait au début de la journée. On va prendre ensuite le pinceau qui nous avait servi pour le rotule inférieur et on va prendre la couleur la plus foncée ici, qui est une espèce de noir, vert, brun avec des petites paillettes dorées. Donc c'est une couleur qui est assez spéciale. Et on va venir tout simplement la déposer sur le rotule et on va venir l'estomper pour venir créer quelque chose d'assez smoky. Et attention avec les fards foncés, si vous avez des chutes, c'est pas très, très agréable à enlever. Donc je conseille toujours de taper sur votre pinceau pour faire tomber l'excès de chute. Vaut mieux en rajouter peu à peu que d'essayer d'en enlever par la suite. Je vais venir reprendre mon pinceau estompeur et je vais repasser sur la ligne. Comme ça, on vient vraiment créer un fondu, comme si la ligne de nos cils était le plus foncé. Et plus ça monte, plus ça pâlit. Je reprends, même chose, le fard foncé et mon pinceau plat. Et je vais venir souligner le coin externe de mon rotule inférieur. Pour finaliser le côté smoky de ce maquillage-là, je vais venir prendre le crayon cobre qu'on avait utilisé le matin et on va tout simplement venir le mettre sur la muqueuse, donc autant inférieure que supérieure. Si vous avez les yeux qui sont très petits, je ne vous le conseille pas parce que ça va venir rapetisser un petit peu l'œil, donc vous pouvez rester tel quel. Et comme la couleur de ce crayon-là, c'est pas noir, donc c'est plus doux, le fini va être plus naturel, ça va être souligné sans que ce soit vraiment trop intense. Donc, on demeure smoky, mais avec modération. Et là, je vais terminer en venant retoucher mes cils, parce qu'en ayant utilisé des ombres à paupières, il y a un peu de poudre justement qui est tombée sur les cils, donc ils sont plus aussi opaques et foncés qu'avant. Donc, comme la formule du bilan est assez liquide et malléable, ben, on peut venir justement repasser sans créer trop de paquets, ce qui n'est pas le cas avec tous les mascaras. L'étape importante quand on est repassé comme ça ici, c'est de passer par-dessus parce que c'est là où il va y avoir le plus d'ombre à paupières qui va se déposer. Souvent, ce qui arrive quand on a un maquillage de cette intensité-là, c'est que les cernes peuvent paraître un petit peu plus visibles à cause du foncé puis tout ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est de réappliquer un petit peu de cache-cernes. Souvent aussi, au fil de la journée, le cache-cernes et le fond de teint sont un peu moins présents. Donc, il faut en profiter pour venir recamoufler les ongles qui ont justement besoin de camouflage. Comme moi, je l'ai fait back-à-back en bon français, donc jour-nuit, mon cache-cernes et tout ça est encore en place. Mais normalement, moi, c'est quelque chose que j'aurais fait dans ma transition vers la soirée. Vous pouvez venir terminer le maquillage en remettant le rouge à lèvres que vous aviez dans la journée ou vous pouvez venir mettre un rouge à lèvres qui est plus soutenu.
soutenu. On m'a fourni le Spicy Cinnamon, qui est un ton pas mal plus foncé. Donc, vous pouvez venir souligner justement vos lèvres comme ceci. Moi, personnellement, je trouve que de venir souligner les lèvres et les yeux, je trouve ça un petit peu trop, malgré que cette couleur-là soit pas non plus d'une énorme intensité. Sauf que je voulais quand même vous donner une idée du résultat si on avait les lèvres un petit peu plus soutenues dans des tons chauds qui se mêlent bien avec le maquillage des yeux. Cependant, pour mon bon plaisir, je préfère le Nude Caramel. Donc, je vais retirer le Spice Cinnamon. Voilà, ça me ressemble davantage. Comme ceci, comme ça, on fait un peu plus soirée, même si on porte la même chose. On a au moins changé notre maquillage. Je vais mettre d'autres accessoires, un bracelet de plus, peu importe, quelque chose dans vos cheveux. Et vous voilà prête pour la soirée qui s'annonce. J'espère que ce tutoriel-là, 2 en 1, va vous avoir plu et qu'il va pouvoir vous inspirer pour vos futurs looks. N'oubliez pas d'aller voir les deux autres looks que j'ai créés avec la collection Graphic Expressions de Clarins. En premier, il y a un look très naturel avec très peu de produits. Et il y a aussi un look signature qu'on appelle donc un maquillage davantage de soirée avec le vert et des petites paillettes dorées. Donc c'est très 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 joli. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas que dans la barre d'informations, vous allez retrouver tous les liens utiles ainsi que tous les produits utilisés pendant la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, c'est une belle façon de me montrer votre soutien et en même temps d'être mise au courant de toutes les vidéos que je vais poster à l'avenir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut les filles! Walking the streets, observing all these people, those I will not remember. The only thing I want is to feel all this vibration every morning when I wake up. So this won't be all a nightmare after all. Let my body free, walk the incident, will do it itself. For once I will find my strength, overcome my fears. I can't be sure not to become this dark and empty soul. Oh, oh.